Depuis quelques années, la présence chinoise se renforce en Afrique. Le continent est perçu comme un nouvel Eldorado commercial pour les entreprises chinoises. Si la part du commerce entre la Chine et les pays d'Afrique reste marginale, elle a néanmoins progressé de manière sensible en moins d'une décennie. Investissements, entreprises délocalisées, diaspora importante, tout y passe. Seulement voilà, plusieurs observateurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Ce mercredi 10 décembre, les ouvriers malgaches d'une usine sucrière de Morondava à Madagascar ont encore manifesté en vue d'obtenir des contrats de travail pour les employés saisonniers, mais aussi une augmentation de salaire pour les permanents. Le problème de la société Sucoma est un problème interne. Il y a déjà eu auparavant des affrontements entre les personnels malgaches et les gérants chinois, aboutissant parfois à des actes de vandalisme et des agressions physiques sur les Chinois. Depuis l'adoption du mot d'ordre Go Global en 2002 par la Chine, les entreprises du pays se sont fortement internationalisées. L'Afrique représente aujourd'hui 15% des investissements de la Chine dans le monde. Un mouvement qui devrait être mieux contrôlé par les autorités africaines, selon les spécialistes. Il faudra que les gouvernements africains, dans chaque pays, exigent des entreprises chinoises le respect de la loi, le respect du droit du travail, comme les autres entreprises, et que ça ne passe pas comme si ces entreprises, c'était un cadeau pour l'Afrique. Finalement, on peut se retrouver dans des situations où les Chinois sont haïs comme ça s'est passé à un certain moment en Zambie et dans d'autres pays. Donc ça serait aussi une façon d'améliorer les relations entre les Chinois et les Africains. Le premier forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC, s'est tenu en octobre 2000. Depuis, il se tient tous les 3 ans alternativement en Chine et en Afrique. Lors de la 5e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine, le plan d'action de Beijing a été lancé.